Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi c'est Guéry Henry, journaliste. Bon information bail sous cave président Jovenel Moïse qui pour que j'aime fini. Gen moun qui font pile tolé à ça et gen moun captain yo démenti information. Le Guéry Henry bon information pas gen démenti là-dedans. Moi bral montrer comment cave Jovenel Moïse jodi et comment l'été doyé si travail yo te continue. Ça veut dire m'a bail plein ingénieur l'aîné qui travaille sous construction mausolée cave président Jovenel qui avec lui moi joindre deux trois éléments d'information et m'a précisé pour tout le monde jusqu'à nan moment m'a parlé avant là. Si travail ou bral garder sous Jean Cavlaye jodi pendant m'a parlé avant là. Ingénieur pour que j'aime me recevoir un goud nan men l'état haïtien et c'est l'état qui te gagne un projet pour te capable de faire mausolée ça nous regarder là image que qui en direct avec nous là sous tripotaï la caille les tristes pour ces Jovenel Moïse qui a subi ça en tout cas image ça c'est image en lien et l'autre image ouais c'est finition travail là c'est comme ça pour le dédouiller. Il pas comme ça. C'est rager grand bail. Pour moun k'ap monter l'autre petit cave tout de blanc etc. Non. L'autre cave ou tout de blanc, c'est cave papa Jovenel Moïse. Mais Jovenel Moïse enterré dans ça ou est là pour qu'on finir qui plein rager à une profondeur de 3,50 m. Jean m'a gardé travail ça là avec rager sous côté planche au bord côté là, Jovenel dans trou et dans trou ça li en dedans. Ça veut dire travaillons pour que j'aime finir jusqu'à présent. N'a lancé des initiatives, des mouvements qu'après pour clairement nous prouver le monde entier que Jovenel c'était non seulement un citoyen haïtien, mais rappeler le monde son président de la République. Mais invitez-nous garder deux images ça. Jean Cavlaye Jodia et Jean Tadouye après travail ta supposé fini. On garde ça ensemble. Moi c'est Guéry Henry. Information pam. Sous vous la parole, c'est l'évangile. On a pas la vif du sujet avec question ça. Dialogue n'a pas l'air, ce sont chimériens finalement. Bon, c'est vrai, on dit parce que le mot dialogue, le mot concertation, consultation, consensus, c'est un mot que à chaque fois qu'on a répété le kounia là, haïtien tellement tendu sans que le bac a jamais abouti ou vient demander où est-ce que c'est pas dans un tour de Babel où t'as retrouvé où où chaque on a parlé un langage différent. Un fait est certain, c'est que l'organ a une responsabilité ou bien ou bien on partit ou bien on chaille ou doit supporter fait tout ça qui possible qui n'a pouvoir pour essayer de rassembler tout le monde qu'on rassemble. Rassembler le monde surtout qui a une position contraire ou bien rassembler le monde surtout qui a parlé de dialogue mais qui pas joindre ça me déclare un fil conducteur qui pour permettre aux chita parler ensemble. Dialogue là tout, des fois, ouais, que c'est des monde qui a parlé de dialogue mais au chaque ouais, un côté différent. Par exemple, nous sommes capables de constater que depuis quelque temps, depuis environ trois ans et demi, si le monde vérifie sur compte Twitter, moi, il y a capable surtout, ouais, tout trois, quatre tweets que je fais, c'est demander mon chit à parler ensemble. Moi, tiré exemple ça de qui est. Moi, tiré de un monde qui était plus proche, moi, qui était René Préval. René Préval toujours dit ou, non pays tant qu'au Haïti, yon nan bagay qui vous permet que gouverner, yon nan bagay qui vous permet que créer un minimum stabilité, et un minimum sérénité pour agir, eh bien, c'est chita parler avec tout le monde, mais surtout parler avec monde qui pas partager même conviction avec vous, ou bien monde qui était concurrent ou, dans en bataille électorale. C'est ça que fait au TOE, président Préval. C'est encourager nous mettre campé en 2006 en bureau dans le niveau Sénat, tout comme dans le niveau Chambre des députés, à que nous avons un bureau pluriel.
Et c'est Youn Nabagay qui fait que, ouais, en une année de travail législatif, eh bien, c'est le Parlement haïtien qui est arrivé voter et fait passer 123 lois, accords et traités, conventions internationales. Mm-hmm. Président Préval, tout lui-même, de côté parlé, qui est arrivé mettre, ça me déclarait un gouvernement pluriel. Il fait appel à des autres mondes. Je dis, on dirait que tout le monde a frappé l'estomac. Tout le monde dit, c'est pas moi qui suis bon, c'est moi-même qui suis bon. Et puis, vous trouvez où, non, qui ça, vous trouvez non, on face à une population qui a crié toute la journée, un robinet de sang a coulé toute la journée, il y a pile monde dans toute classe, en lettres, en courant, en bas, décapitalisé, pour être qui ça, kidnapping a fait tout le temps, business a crasé. Et paysans ou même pas qu'on est à quel fin se vouer, parce que leur produit manger dans la zone grand sud là, plus particulièrement, ou pas qu'à entrer ensemble avec lui, et qu'on y a au sentier que zone nord pour au printemps, et bien avec tout ça qui a passé sur Outraï et autres, etc., ou est que c'est dans la même situation que nous. Ou bien comme impression que Port-au-Prince a ceinturé, tant qu'au Kiev, pour me répéter on l'autre, même si on est rouge, absenturé Kiev, eh bien, on est gang, absenturé Port-au-Prince. Il y a peut-être prendre nous en étau. Bon, on geste qui peut faire, bon, on effort qui peut faire, on effort de dépassement, on effort de compréhension, réalité que nous vivons là, et par conséquent, il faut que nous retirions le masque là, mettez la tête, et puis pour nous dire, en toute sincérité, Dieu dans Dieu, à cœur ouvert, qui ça nous doit faire véritablement pour payer ça, autre que parler ensemble, joindre accord sur ça qui divise nous, et c'est ça que nous arriver à consensus entre tout acteur. Président Lambert, vous dites pour l'île, et je dis à pour tout le monde, retirer le masque là, est-ce que le monde ça y est, vous dites, nous pouvons plus parler et que faire action, est-ce que ou ap di population la grand pile monde ap di bon oui faut dialoguer mais au fond yo vle tout bagay sauf dialogue là nous quel pressentiment grand pile monde qui vle parler ou bien qui a qui gon discours parler nous vle parler mais dialogue là ou pas là pour faciliter les choses nous m'a essayé éviter dans moment critique ça pour ne pas pointer du doigt X, Y, Z, n'a pas essayé dans le dernier ballon d'essai, ça, entre guillemets, nous disons dernier ballon d'essai, mais à travers l'initiative que le Sénat prend, pour nous, qui est-ce monde qui veut dialogue et qui est-ce monde qui ne veut pas dialogue tout le monde? Qui est-ce monde qui veut pour la population au moins reprendre confiance pour que l'autorité de l'État a rétabli, pour que au moins nous capables d'attaquer nous à gros mal pour un pays qui c'est insécurité pour que au moins nous assurer nous que demain gagne un lieu espoir pour lui et c'est dans chita parler et dans chita attendre pour nous voir qui est-ce qui gagne bonne foi et qui est-ce qui gagne mauvaise foi. Nous profiter de moment ça pour me dire et monde qui gagne accord plus particulièrement essayer garder pour nous si nous t'es qu'à faire en sorte de dépassement pour nous, c'est qui ça que nous capables de joindre. Tout le monde confondu. Que le les 11 septembre, que le les unitaires, que le les Montana Penn et autres, etc. Eh bien, que tout le monde cherche à joindre la formule qui est capable de mettre Haïti au cœur de débat, ou Haïti au cœur de préoccupation, nous, ou Haïti au centre, Haïti comme dénominateur commun, et non un débat qui est capable de faire, est-ce que moi j'ai un monocéphale, ou bien est-ce que moi j'ai un bicéphale, ou bien est-ce que moi j'ai une quintette, ou bien est-ce que moi j'ai un triumvirat. Trouver la formule, mais il y a un peuple à lui-même qui n'a pas qu'à attendre encore, et il y a un peuple à qui a espéré. Et si il y a un groupe de monde, véritablement, qui eux-mêmes pas décidé d'avancer pour que eux joignent minimum consensus là, c'est monde qui peut-être par insouciance, pas rendre compte que yon bon pays qui a déjà fini, yon bon pays qui défalqué, yon bon pays qui, comme des cas dit, déshumanisé, ou bon pays qui en même temps tout a qui finit désinstitutionnalisé. Parce que je veux dire, si nous regardons bien ça qui a passé, si nous prenons le problème qui pose, je veux dire, pour mettre un conseil électoral, pour mettre, ça me déclarait
un juge qui manquait dans le niveau cour cassation. On nous prend schéma simple. C'est le Sénat qui t'a supposé lui-même faire appel à candidature et pour être capable de retenir une liste de 3 juges par siège pour envoyer le président de la République là, pour le président de la République là, à partir de 20 ans, prendre une nadan pour le nommer dans la cour cassation. Je ne veux dire, le Sénat réduit à 10, il n'a pas gagné autorité suffisante pour le faire, ou bien autorité du tout pour le faire, pour prendre lui. Les gens constitution en dit, bref ou non, un Sénat qui est dysfonctionnel parce que c'est 10 que nous y est. Seuls sont capables de faire pour inviter un ministre, ou bien un premier ministre, ou bien un directeur général, c'est inviter uniquement qu'on est capable d'inviter, ou pas capable ni convoquer, ni interpeller. Ça, c'est un premier dilemme. Ça veut dire qui ça? Ou bien, l'un de pouvoir qui incarne la souveraineté nationale là, pardon, qui c'est le pouvoir législatif là qui est dysfonctionnel. On nous prend pouvoir judiciaire. On prend pouvoir judiciaire qui réduit à 2 juges au niveau de la Cour de cassation. On CSPJ qui gagne un strict minimum pour les fonctionner, qui c'est 5 conseillers sur 9, c'est-à-dire la majorité absolue. Et toute décision qui peut engager CSPJA sont décisions qui réunissent 5 juges en même temps qui pour libérer et qui pour prendre décision. Si une pas délibéré, bah, si une pas siégé, il n'y a pas qu'à délibérer pour prendre quelle décision. D'où, je ne vous dis, ou bien la plus haute instance judiciaire du pays qui pas fonctionnel, et au conseil CSPJ, qui lui-même, supposé bien comme président CSPJ, le président de la Cour de cassation, qui mourit, le vice-président de la Cour de cassation qui est capable de jouer rôle AI, eh bien, lui-même tout, le juge Filémon, qui a un mandat, qui arrivait à terme. D'où, ou bon CSPJ qui handicapé. Tant au pouvoir exécutif, lui-même, c'est lui-même qui pire mal dans tout. Peut-être qu'il y a un, ou pas gagné un président de la République, alors qu'il y a des prérogatives qui iront uniquement à président de la République là. Lui gagne un premier ministre ça, il fait tirer légitimité de légitimité président république là, jusqu'à ma fin fonctionner, et pour éviter un vide, ou bien on tourbe une tête l'État dans un moment, le Sénat dans sa sagesse avait compris la nécessité de considérer ce premier ministre de facto, et bien comme un premier ministre qui liquide les affaires courantes, pour, juste pour essayer d'éviter qu'on obéit dans tête l'État après le 7 février. Et comme de fait, bien, avec ce gouvernement qui est là, eh bien, on vient gagner tout, un pouvoir et un exécutif qui lui-même, nous a pas dit qu'il bancal. Avec 3 pouvoirs, ça, qui est capable d'incarner souveraineté pays et qui trouve le retour de là dans une situation compliquée, eh bien, pas une qui est capable de fonctionner sans l'autre. D'où nécessité pour que bon gros consensus, au lieu qu'on fasse consensus entre les 3 pouvoirs pour faire saupoudrage pour résoudre un problème ponctuel, il est beaucoup plus bon pour que vous cherchez un consensus entre tous les acteurs de la vie nationale et bien tous les grands secteurs de la vie nationale pour essayer de faire de telle sorte que toute action future qui va engager l'État sont actions qui, en fait, gagner un minimum de légitimité politique et institutionnelle. Voilà, en gros, démarche que nous avons fait depuis quelque temps au niveau Sénat République, pour essayer d'accueillir. Donc, tout le monde, et Mme Bonhomme, qui toujours a dit, oh, le Premier ministre n'a jamais répondu aux invitations du Sénat, parce que purement et simplement, parce que le Premier ministre est un Premier ministre qui liquide des affaires courantes, c'est un Premier ministre de facto. Mais m'a dit, pour l'histoire et pour la vérité, tous les premiers ministres qui ont même pas passé devant le Parlement, puis ont joué une sanction de l'Assemblée, sur les 2 assemblées, bien sûr, sur leur déclaration de politique générale, eh bien, ce sont des premiers ministres de fait. Parce que, en fait, il n'y a pas gagné entrée dans le Parlement, certes, mais il y a gagné responsabilité par devant la nation pour tout ça que il y a fait et puis il y a engagé l'État
Et c'est ça que l'homme on y a dit de facto et autre, etc. Bien de fait, eh bien, le dernier premier ministre légitime qu'on a connu, c'est le premier ministre Seyan. Après ça, toutes les premiers ministres, ce sont des premiers ministres de fait, qu'il s'agisse de M. Jout, de M. Lapin, de M. X, de M. Y, jusqu'à M. Ariel, eh bien, ce sont des premiers ministres de fait, sans façon pour que l'opinion publique là édifié sur ce qualificatif. Ok, parce que nomination n'a pas été ratifiée par le Parlement. Besoin où est là, ou justifier pour qui ça, et je dis à nous obliger à aller vers le vers consensus. Quitte ou parler, auditeur, tendez, et pour qui ça, c'est d'après initiative. Dans la démarche, nous avons gardé Joseph Lambert, qui personnalité, structure, organisation que nous rencontrons déjà et qui est-ce qui d'accord si oui et pour qui ça et qui ben moun nous pas jamais capable de rencontrer par exemple et qui est boudé invitation nous. Madame Bonhomme, permettez que me dire depuis que nous avons fait consultation là depuis environ vingtaine de jours ou bien en trentaine de jours et faut qu'on dise nous rencontrer ensemble de secteurs de surtout et moun qui gagne accord. Nous rencontrons toutes des personnalités à titre individuel et personnalités politiques tant que personnalités morales. Je peux citer, entre autres, nous avons rencontré le bureau de suivi de l'accord de Montana. Nous avons rencontré les signataires, une délégation des signataires du protocole d'entente nationale modifié. Nous avons rencontré les signataires de l'accord unitaire d'Haïti, ci-devant accord de Louisiane. Nous avons rencontré les signataires de l'accord du 11 septembre, bien sûr, à travers l'ARN, Alliance pour la Refondation Nationale, à travers, bien sûr, les signataires du protocole, disons le comité de suivi de négociation de l'accord des signataires de l'accord du 11 septembre, à travers monsieur, bien sûr, monsieur Ménard, à travers monsieur député Descollines, monsieur Dutreuil et autres, etc. Nous avons rencontré aussi des personnalités politiques comme monsieur Clarence Renoir, qu'aujourd'hui on appelle monsieur négociation, mais monsieur dialogue. Et on a rencontré aussi monsieur Jean-Baptiste du RDNP. Nous avons rencontré aussi des délégations de planteurs, de 49 coopératives de planteurs de la vallée de l'Artibonite. Nous avons rencontré une délégation représentant 10 facultés de l'Université d'État d'Haïti. Nous avons rencontré des gens, nous avons aussi rencontré des personnalités de la société civile, comme le représentant du secteur privé des affaires, de l'église anglicane, nous avons adressé aussi une correspondance à l'église catholique à travers la conférence épiscopale via le Monseigneur Launay. Nous avons rencontré des gens. Okay. Donc, madame, nous faire le tour des mots. Madame Bonhomme, permettez que me dire, nous avons adressé aussi deux correspondances au Premier ministre. Nous avons adressé une première correspondance au Premier ministre le 4 mars. Nous avons adressé une deuxième correspondance au Premier ministre le 11 mars. Le Premier ministre n'a, pas répondu à l'invitation, et deux, n'est pas même choisi, même par décence, je dis bien même par décence ou par éducation, n'est pas même choisi, faire une correspondance au Sénat de la République pour justifier les raisons pour lesquelles il n'est pas venu. Nous avons choisi dans notre sagesse coutumière et pour le bien d'Haïti, pour le bien de tous les Haïtiens sans distinction ni exclusive, pour le bien de ceux-là qui, je ne vous dis pas, à mourir matissant, si Timoun, de Timoun qui a mouru pour oxygène dans l'hôpital général, pour Moun qui a mouru toute la journée, qui a kidnappé toute la journée,
pour moun kap vann, sa yo pa genye prete, sa yo pa genye pou essaye fè libere ou poch yo, ou bien ou fami yo, ou bien ou zami yo. Pour moun ki jounen jodi a mouri grand moun dan peyi a, ou pa ta même énuméré, parce que ou pa nan situation yo lè ou mouri, ou pa kon nan ti condition yo mouri. Eh bien, le premier ministre, nous avons choisi encore une dernière fois pour adresser une correspondance au premier ministre pour qu'il se présente au Parlement aujourd'hui à midi. Pourquoi, Madame Bonhomme? Qui ça qui contenu l'échange là? N'a dit publiquement. Premièrement, garder avec le premier ministre là, une série de négociations. Échange que le TAP fait avec un ensemble de secteurs pour pas revenir à un consensus, nous est que le bloquer. Qui ça qui a la base blocage là? Et qui ça que nous-mêmes, en tant que les seuls 10 élus légitimes que compte ce pays à date, qui ça nous-mêmes, nous capables d'essayer fait pour nous aider échange ou reprendre? Vu que nous consultons ensemble de monde, déjà, il n'a consulté ensemble de monde. Ça, c'est deux. C'est trois. Voir avec le premier ministre, qui dispositif que nous sommes capables de mettre en place pour nous essayer de garder, pour nous, ouais, qui meilleure façon nous sommes capables d'essayer de convaincre, mettre tout le monde au diapason. Sensibiliser sur la nécessité de s'asseoir, de discuter, d'échanger et de trouver ce consensus historique pour le bien d'Haïti, pour le bien de la nation, pour que nous ne pas trouver, nous enliser nous dans une spirale de sécurité, de stabilité dans les mois, dans les années à venir, dans l'entêtement du premier ministre en gagné pour lui mettre au conseil électoral. Pour l'essayer par des voies détournées, contestables au départ, de juges à la Cour de cassation qui n'ont pas relevé de compétences, en façon pour que nous pas initions un processus qui vicié à la base et qui va faire que toute action future que vous allez prendre, même lorsque vous arrivez nommer des mounes comme président, faire élu des mounes comme sénateur, comme député, eh bien, on va le trouver dans l'histoire, élection contestée, élu contesté, et laisse à Kounia là, c'est encore instabilité, encore problème, encore tête chargée dans le pays. Elle nous dit non, Haïti, pas ta visa. Voilà. Okay. Unanimement, Madame Bonhomme, tout le monde que nous rencontrons, toutes, je dis bien oui, toutes, sans distinction, avec des nuances près, yo, unanime pour que si t'attendais ça, t'as fait vite, vite, vite. Et puis pour le faire, toute concession utile pour le bien de la nation. Un seul groupe, un seul monsieur n'a pas répondu à l'appel, alors que c'est lui-même qui a responsabilité. Toute vie monde, tout bien monde, tout devenir nation, même étant de fait, même pendant qu'il liquide les affaires pour eux, il a la responsabilité, la charge du pouvoir, il a la réalité du pouvoir entre ses mains. Il s'agit de M. Ariel. Okay, alors ça, voilà, ça la nation est informée. Voilà. Et justement, moi, attendez, un conseiller. Premier ministre Ariel Henry, qui dit que jeudi, Ariel Henry n'est pas venu encore. C'est même il fait déclaration ça, il n'est pas venu encore aujourd'hui. Il fait déclaration ça avant et adresse à la nation et premier ministre. Ça le mettait en avant, c'est que, mais comment on a invité là, lorsque nous dit que le premier ministre a géré les affaires courantes, nous avons demandé pour faire venir déposer échappe présidentielle là pour nous. Et ça, je crois, au niveau de la primature, il n'y a pas pris ça du tout. Et ça qui est capable d'expliquer que Jodia, que le premier ministre Ariel Henry, li boudé plusieurs invitations de Sénat. Supposé ou comme ça et puis gonba qui pas passé encore ou gon correspondance ou t'a adressé à premier ministre ou mettez premier ministre de facto. C'est-à-dire yo web okoto ou comme si gon animosité
face à Ariel Henry et yo pas comprendre que président Sénat lui-même li capable jouer rôle l'a jouer là. Ou tendez ça me supposer sans comprendre de ça. Écoutez, madame Bonor, premier ministre de facto, tous les premiers ministres qui se sont succédés au pouvoir après le premier ministre Feyant qui a bénéficié d'une sanction, d'un vote sanction des deux assemblées du pouvoir législatif, eh bien, ils sont tous des premiers ministres de facto. Sans exception. Voire, il en est de même pour Ariel, pour Michel Lapin, pour Jout, et personne ne peut dire le contraire. Ça, c'est un. Avait dit que à chaque fois que m'a pécule le premier ministre, et à chaque fois que quel que soit monde a pécule, eh bien, on est capable de toujours écrire le premier ministre de facto, tout comme il a écrit le premier ministre en fonction, ou bien, nous, on doit écrire premier ministre, ça n'a pas dérangé en rien, mais il est. Mais on va pas comme ça, on va faire ça pour l'autre premier ministre. Tout, nous toujours mettez premier ministre de facto. Bon, écoutez, madame Bonhomme, regardez l'avant-dernière lettre que j'ai adressée au premier ministre Ariel Henry. J'ai noté premier ministre. Mais ça n'a pas retiré rien. Et c'est ça que m'a dit Henry. Pendant que nous n'y a pas. Je vous souhaite des détails. Pardonnez-moi. Peut-être qu'il y a un problème. Pour ou même, c'est malheureux, c'est salié, que ou même Joseph Lambert réglé à Ariel Henry pour débloquer la situation. Peut-être que ça. Ah non, je ne sais pas, même poser question, parce que au niveau de la primature, pourquoi ça vient dans les oreilles ou qu'on est pour qui ça, le premier ministre n'a pas répondu à l'invitation, parce que il est allé devant le Sénat déjà. Et peut-être c'est ça qui permet que le Sénat rebondit ou même et Joseph Lambert. Mais. Peut-être tout dans sa nappe de population, il faut chercher qu'on est et puis résoudre le problème ça. Ça dit Joseph Lambert et Ariel Henry, débloquer la situation et peut-être bah, ils sont capables d'avancer. Non, écoutez, Joseph Lambert a demandé mon chita. Joseph Lambert, comme président Sénat, il fait le premier geste là avec l'Assemblée sénatoriale pour les retirer, pour ne pas montrer que ça l'a fait aller intéresser à lui. Il y a un premier bagage que vous cherchez à faire. Vous faites de telle sorte que Lambert, Joseph Lambert, n'est plus un candidat à la présidence ou président désigné par le Sénat. Ça, c'est le premier bagage là. Ça, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Joseph Lambert est un simple citoyen, sénateur de la République, mais qui préside le tiers du Sénat. Ça veut dire que toutes démarches que nous avons essayé de faire là sont démarches, comme TK dit, désintéressées. Pour le Sénat et pour le président du Sénat comme président, mais son démarche intéressée pour le peuple haïtien et pour robinet sans cap couler 24 sur 24 que nous demandons peuple là et nous demandons Ariel ensemble avec nous en essayant ouais, comment bon. Avec votre acteur pour nous faire mener. Joseph Lambert n'a pas désintéressé dans une démarche que l'a fait. Forcément, si ça marchait, il connaît, il pral récolter fouillot, ça l'a bon pour l'avenir politique. Tout le monde a capé, font bas, déplacer pion et mettre groupe politique par un hein, qui désintéressé. Cependant, il m'a aidé et à nous mettre Haïti tout dans bagala. Côté nous même n'a récolté fruit, Haïti lui-même li capable sorti dans ça. Et justement. Justement, c'est pour montrer vous que à titre personnel et ceci c'est m'ta inscrit non dynamique d'immédiateté pour bénéficier en quelconque ristourne politique de ça, tel n'est pas le cas. Donc ou camper sous bas à faire président net. Oui, madame Bonhomme. OK, ça donne tout à l'heure. Sénat, et Joseph Lambert et le Sénat à travers ce qu'il fait ou ce qu'il réalise au nom des sénateurs au Sénat de la République, lui pas grand quelle velléité présidentielle ou bien bénéficier ristourne de ça. OK, tout à l'heure. Un toujours, ça veut dire pas de tentative. Mais de trois questions pour me répondre avant. Non, tout à l'heure, mais là pour me pas oublier, pas de tentative. Et pour ou pas gagne tentative à faire pour entrer dans parler encore mais et à faire peine ou pas jamais dit mais tout le monde connaît et pour qui ça va la bloquer c'est parce que c'est vous même qui t'a choisi comme président c'est-à-dire une dans cinq yo est-ce que bah, ça lui tomber à l'honnête tout écoutez madame Bonhomme la Sénat a pris une résolution hein. Son résolution qu'elle te prend pour te pallier de façon rapide et célère à un problème en vide qui te gagne dans le pays. Il y a adopté résolution. Mais dans cette même résolution,
Madame Bonhomme, et ce que le public ou le peuple haïtien doit savoir, c'est que il était prévu à la fois dans cette résolution que le président du Sénat, qui s'est élu par père, il pouvait être président, mais il était prévu aussi que le premier ministre qui est là, M. Ariel Henry, eh bien, devienne premier ministre parce que il a bénéficié de la légitimité du président de la République. Mais la résolution du Sénat a été renforcée par un protocole d'entente nationale, le PEN, et c'est ce même protocole d'entente nationale qui avait prévu à la fois Joseph Lambert, via la résolution du Sénat, président, et Ariel Henry, premier ministre, via la résolution du Sénat, premier ministre. Ça fait peuple comme ça. Le peuple là comme ça, elle dit de la noyer le long bagaille, et puis pour que des pêcheurs de troubles, des gens qui par insouciance, qui ont fait politique à lui, et puis qui ont cherché retirer drap pour couvrir pied. Non, madame Bonhomme, pas de drap encore. Drap chiré. Tout drap c'est tout. Pas de quel drap qui est capable de couvrir personne pied monde pour protéger contre Freddy. Je ne vous dis son tissu social déchiqueté, son tissu social fragmenté, un pays désinstitutionnalisé, déshumanisé, où tout le monde de bonne volonté doit comprendre pour mettre ensemble, pour chercher ouais, qui est capable de sauver encore notre pays, ça, pour le pays. Ça. Et ceci pour les générations à venir. Parce que la vie politique, nous, là, je ne veux dire, en pile dans nous, là, je ne veux dire, pas de politique sous cette main. D'aide nous déjà la regarder. Il faut que nous au moins ouvrions voie pour la jeunesse, pour que bon substitution qui fait de nous-mêmes par jeunesse là, pour que enfin nous sommes capables de dire pays ça, qui ça m'a fait avec lui. M'a dit bagaille, madame Bonhomme. Gagné une question très pertinente, tout est posé tout à l'heure, sous question bah, pour mes ministres de fait là, nous clair sous ça. Deuxième question côté posée, moi qui échappe, madame Bonhomme. Maman, je vais la clé. Parce que ouais, Lambert est plus sous espèce de coup d'État. Et qu'on y a là, il n'y a pas tellement fort ou confiance pour que tu aies joué le rôle où vous jouer. Nous allons regarder un peu plus loin dans l'émission si c'est facilitateur, si c'est médiateur. Parce que soit dire que tout le monde nous rencontre déjà accepté et seul Ariel et Henri qui est snobé, ça va faire. C'est le mot. Au fait, c'est peut-être Amdé Djo. Peut-être bon problème pour régler avec et premier ministre tant que le parfait m'a connait que nous parler entre hommes et puis nous briser glace ça pas marcher à nous dire et nous m'a connait nous dit tout ça ça dit grief une gain contre l'autre et puis et permettre nous avancer justement comme on dit c'est pour bien pays justement pour le bien du pays madame Bonhomme Sénat. Et ma forte confidence à Madame Bonhomme. Lorsque le Sénat, via son président, a été rencontré des membres du secteur privé, des membres de l'Église, des membres de la société civile, et lorsque le Sénat a adressé correspondance en tout bail, la conférence épiscopale, c'était un souci pour encourager eux, fait qu'ils choisissent. Plus parler moins, ou bien pas parler, mais plus agir, parce que le peuple n'a pas qu'à attendre. Et c'est une façon tout pour que le travail que nous faisons au niveau Sénat, nous décharger nous de responsabilité et permettre à ces notables, à ces figures, à ces institutions morales de prendre question en main pour le conduire et animer débat qui vient pour faire entre les acteurs pour que enfin je joigne le consensus nécessaire là en dehors de mon institution qui t'a qu'à trois politiques qui est le Sénat républicain et surtout présidé par un homme très politique qui est Joseph Lambert sur qui plane des doutes ou bien des suspicions dans la velléité présidentielle. Madame Bonhomme, je suis de bonne foi. Qu'est-ce que je dois faire plus? Si vous me faites bagarre en plus, madame Bonhomme, pour payer ça, moi je dis peuple à l'élé, et puis dis-moi ça pour me faire en plus. Je ne sais quoi faire d'autre.
Aujourd'hui, moi, c'est ça que je dois faire. Et ça pour me faire. Et sénateur, ben moi, mandat pour me faire ça pour me faire. Et je me dois faire. Maintenant, il n'y a qu'une chose à faire. Il n'y a qu'une chose à faire. C'est permettre que gagner une équipe qui lui-même apolitique ou bien très peu politique, mais qui surtout moral, qui assure, comme tu as dit, animation et invitation à différents secteurs pour Chita pour que enfin ils parviennent à consensus que nous besoin dans l'intérêt pays. Parce que ça qui est certain, Madame Bouna, mais que pile monde pour qu'à comprendre la journée de dire. Lorsque le premier ministre campe sur sa position, c'est comme s'il dit pays est bien privé. Alors que même à l'interne, le premier ministre a des problèmes avec son accord du 11 septembre, en témoigne la présence au Sénat de la République de deux groupes importants signataires de l'accord du 11 septembre. En témoigne origine premier ministre là même, dans le niveau secteur médical là, qui est obligé de trouver maintenant en grève par rapport à la mauvaise gestion du premier ministre. La chère pays a mal, même secteur par l'acte supposé par le support, jeudi à en grève et fermé l'hôpital. Et puis le premier ministre, issu du secteur médical, n'est même pas en mesure de résoudre ce problème mineur au niveau de secteur que sortit, qui est ce secteur médical-là, l'hôpital général toujours fermé. Et plusieurs autres hôpitaux encore pas toujours fermé. Ou dit problème mineur. Je suis bébé mort, faute d'oxygène. Ou dit problème mineur. Hein? Mineur, ou dit. L'hôpital n'est pas fonctionné. Non, on dit ce problème mineur que le Premier ministre n'est pas capable de résoudre. Non. Non, lorsque je dis problème mineur, je veux préciser, ce n'est pas l'hôpital qui n'est pas fonctionné qui est un problème mineur, non. C'est tâche, la responsabilité que le Premier ministre a gagné pour le problème que le gagné là, que nous avons considéré comme un problème que lui-même n'est pas résolu parce que bien dans le secteur, il y a bien moins de complications que possible pour le résoudre. Et puis, pour être capable même résoudre, considérer, on dit six problèmes pour être capable parce que c'est ce secteur qui est plus facile là pour apprendre parce que il sortira. Non, pas le frappé. Pas le non, pas le problème l'hôpital qui fait. Non, non, il y a tout problème santé. Ça dit, jeudi à la et gagner des personnalités qui dans le secteur médical là, de l'association tout. Ça veut dire, yo obligé et mettre quoi yo de yo parce que yo victime de kidnapping. Regardez, docteur Alexis que y a le kidnappé et en dedans et clinically et dans rue Albert et bien jusqu'à présent li nan mes ravisseur toujours. C'est ça que fait yo soulever et peut-être c'est l'occasion pour di moun yo c'est pas chaque temps ti groupe pa nous journalistes gon problème nan faire manifestation et ou bien la police tue journaliste ou bien yo kidnappe un médecin kidnappe un ingénieur yo kidnappe m pa connais dans tout groupe touché c'est pas et le ça pour mouvement fait c'est-à-dire si gon lever campé en tout moun mette et tête ensemble faire un gros mouvement pour dire non nous pas ca continuer et comme ça n'a vivre terre et la caïnou n'a vivre dans la peur et oui nous voulons et la comme premier ministre que kidnapping et li et changer de camp par ailleurs m'a souligné ça pour vous. Ouais nous fait tout le temps ça n'a parlé le n'a pas la monde qui gagne accord c'est vrai nous dit insécurité nous sentons concernés. Mes discussions pas faites autour de lui-même, autour de questions ça, mais du tout. Et Madame Boudon, très certainement oui, parce que à chaque fois que l'échange a fait en bas, il y a un premier problème qui était soulevé par tout le monde qui vient en bas, c'est le problème de sécurité. Hein. Parce que vous considérez que c'est un problème transversal qui lui-même affectait tout l'autre secteur, tout l'autre pan d'activité dans la vie nationale. Là. Et n'a dit tout, Madame Bonhomme, je dis, pays, nous avons le sentiment, tout Haïtien, ouais, que pays a des problèmes. Mais nous avons comme impression que vos groupes qui ont pays n'ont pas de problème et qui n'ont pas besoin de consensus et que côté eux, ils sont bons. Ou t'as dit, il y a un groupe là?
Non, pour moi-même, c'est Ariel, et puis ceux-là qui le supportent au niveau de l'accord du 11 septembre et qui détiennent un poste ministériel ou bien un poste de directeur général. Bon, mais... Faut-il t'en aller, président. Mais justement, vendredi, dans l'adresse à la Nation, Premier ministre lui dit de reconnaître que l'insécurité généralisée, problème kidnapping, non, c'est principale préoccupation et pays. Donc, c'est gros souci et gouvernement. Ça, c'est pour insécurité, deux gros questions. Et pour question et dialogue, là, une fois de plus, et Ariel Henry lui lancé un appel. Et au dialogue à tout secteur net, il dit particulièrement l'ICITEM, particulièrement et groupe politique à l'ICITE et les tenants de l'accord de Montana. Et puis, dans la fin prise de parole là, il dit moi-même, je veux dialogue là, moi-même, je veux négociation, et ou même, qui j'en ou comprendre et discours ça? Pour les bagages, l'avait dit. Pour question insécurité. Pour le ministre Ariel, c'est lui-même qui t'a dit. Problème quoi des bouquets à trois qu'à résoudre. Problème insécurité dans le Port-au-Prince. Tout le monde constate qu'il y a une nette amélioration qui fait la donne. Et que je dis, la priorité des priorités, c'est Matissan. Et que dans le jour qu'il y a, la résoudre le problème Matissan. Je n'ai pas besoin de faire commentaire après un mois. Si vous faites commentaire, il a dit que c'est acculé, mais pas acculé Ariel. Ariel est acculé de par lui-même. Parce que ce n'est pas moi qui mets parole dans la bouche, il a parlé. Parce que question dit, question insécurité et autres, etc., chef du CSPN et autres, etc., là, cette responsabilité première est incombée à vous-même et à vous-même seulement. Ça, c'est un. Deuxièmement, dialogue. Dialogue, nous sommes contents que le Premier ministre en dise ça. Et si le Premier ministre dit ça, il y a des initiatives que la prend tout dans ce sens-là. Qui initiative que le prend? Et qui initiative que le compte prend? Parce que chaque minute qui passe, c'est un monde qui est kidnappé. C'est un monde qui mourit. C'est un monde qui est capable de mourir par balle, ou bien n'importe qui l'autre mort, mais c'est un monde qui est capable de mourir grand goût. Les masses de l'arrière-pays, nous ne pouvons pas s'allier, je veux dire. Nous ne pouvons pas devenir. Même l'âme qui fait dans tout Jérémy, ou bien dans tout Jacques, ou bien tout partout, et autres, etc., il n'y a pas qu'à même rentrer Port-au-Prince. Il n'y a pas qu'à même rentrer Port-au-Prince, puis il vient de vendre. Voir qu'on y a là, madame Sarah, que maman m'a dit, qui qu'on a pris 4 camions pour l'entrée Port-au-Prince, pour venir vendre, pour être capable de dégager une plus-value sous investissement que le faire, résultat, c'est que madame Sarah, tant que maman m'a venu aujourd'hui, n'a pas qu'à rentrer Port-au-Prince. Ça veut dire que ça, si moun ki l'école yo, parce que c'est de ça qui fait que et qu'on s'appelle fait pas l'école, qui fait maman payer, qui fait le mettre à jour, qui fait le bas nous manger, et l'autre yo, qui est dans la même situation avec moi, hein, qui est capable dans la même situation avec moi pendant un certain temps, et qui là, je veux dire, dans la même situation avec moi. On n'a pas besoin d'être décrit tableau ça. Il faut une certaine, comme tu as dit, il faut qu'on nomme haïtien, il faut qu'on nomme monde qui est issu de la classe moyenne, bien que l'insécurité a frappé tout le monde, dans tout niveau. Mais, nous avons toujours dit, c'est en bas qu'a côté Chahéla. Et c'est ça que moi dit que la sagesse est un bagage important, et m'a répété, un bagage que René Montplaisir dit avant hier, pendant le venir avec le secteur populaire en bas. René Montplaisir répété pour dire. Président pour évaluer, dit pouvoir l'organiser sans battre la pied pour marcher avec lui. Le jour qu'il était pouvoir sortir en bas de la pied pour quitter la montée dans la tête, et puis monter dans la tête ou fou avec elle. C'est exactement ça qui a passé là. L'Ariel que j'ai connu en 1997 ou de 1997 jusqu'à sa désignation comme Premier ministre, c'est pas le même Ariel qui est là. Il est totalement dénaturé. Et c'est un bagage que moi-même pas qu'à comprendre, parce que pour tout le temps moi-même que je passe dans le pouvoir, je suis resté égal à moi-même, je suis resté moi-même. Et puis qu'on est un petit point de pouvoir, il y a une certaine autorité, et là ça, ou à ta cousin, président Pabopel. Et c'est ça que fait que Nabdi. Vous pensez être Premier ministre en flair?
Oui, tête li enflé. Et moun ki nan environnement yo enflé tête li pi red. Et nous tout te connaît ki jete tête on ancien président te enflé de par environnement. Et je vous dis à certains abdi la sagesse. La sagesse et l'amour de sa patrie sont bagages qui doivent gouverner comportement au monde à chaque fois, à chaque instant. Et cette sagesse qui poussait que je vous dis encore une fois, si le premier ministre Ariel parle de dialogue et qu'il est effectivement intéressé à faire le dialogue, dialogue là pas capable au départ pour dire monde, mais sous qui ça qu'on va faire dialogue parce que tu n'es pas maître de ce pays. Ou pas qu'à dire, mais est-ce que vous voulez faire dialogue? Si vous dites, est-ce que vous voulez faire dialogue? Ou pas sous dialoguer? Et pour vous venez faire dialogue, eh bien, nous avons fini à cœur ouvert en nous venez faire dialogue là sur Haïti. Et sur ça qui doit être bon, et sur ça que Dieu doit faire de bien pour Haïti et pour les Haïtiens. Et je veux dire, il faut un vrai projet national pour Haïti. Et ce projet national est le seul qui puisse nous permettre de rétablir l'ordre républicain. Je veux dire, nous à genoux. Et c'est l'étranger qui nous gouverne à distance avec un remote contrôle. Autant d'engouement, autant d'enthousiasme, moi qui développe pour l'Ukraine. Mais pas avoir autant d'engouement et d'enthousiasme développé tout pour Haïti par rapport à Salia. Et que comme contribution que la baille Haïti pour essayer de garder qui j'en capable de faire pour combattre la sécurité, moi je baille pour les frontlans quelques gilets par balle. À ce que mérite Haïti? Non. Moi, je crois que c'est une situation qui me révolte. Je suis sidéré. Et il est temps que les Haïtiens se prennent en charge et comprennent qu'il faut consentir des sacrifices historiques à la hauteur de ça que vous voyez, ça vous présentez pour Haïti, pour les Haïtiens, pour les générations à venir. Voilà. Joseph Lambert, nous sommes récemment et Ariel Henry a juste débarqué la CAI, ou bon, pas qu'on est, si nous avons gagné rendez-vous, c'est juste pour la galerie, mais c'est ça le grand public, parfois soit ou aïe, c'est tout à fait salier, mais est-ce qu'on va prendre un téléphone ou il Ariel Henry, par exemple? Et on dit, comme ou dit, jodi a s'il pas venir, ou souhaiter que, ben, population en lui-même, et li noter que, premier ministre, il gain et mauvaise foi, et li noter que, et que la, ou pas dit qui ça qu'a passé qui sa population fait une fois constaté ça, mais est-ce que vous pensez sous premier ministre son monsieur s'il pas prend appel il retourne appel yo, est-ce que vous même on va faire ça madame bonhomme m'pa vle pour si me dit on bail là et puis pour dire c'est politique m'pa vle pour dire ça dis-le pour moi madame bonhomme tu vas chercher zo la calalou madame bonhomme. La dernière fois, je vais le montrer au côté premier ministre Ariel de mauvaise foi. Je m'a dit ça, que le public a excusé, que la population a excusé. Mais puis, Gaïo dit tout que moi, c'est un. Nous sommes lâches, et que je cherche. J'aime Haïti. Et ceci, je le dis, de plus profond de moi-même. Je ne suis pas dans l'autre pays de rechange. Je ne suis pas dans aucun investissement, aucun côté. Tout ça me vient, c'est Haïti. Madame Bonhomme, face à la situation que je vais arriver, et voulant que les élections soient capables de réaliser en un pays pour un retour à la normalité institutionnelle et faire de telle sorte que il y a des élus légitimes et des institutions légitimes qui sont capables de camper en un pays. Moi, je vois que l'heure va arriver pour que mandat juge dans la Cour cassation. Trois juges en cassation au fini. Il me connaît que le système judiciaire a été handicapé. Sachant que c'est le Sénat qui, en vertu de l'article 175 de la Constitution, qui a une responsabilité pour lancer appel à candidature et autres, etc. Sachant aussi que le premier ministre Ariel, sous quelque forme que ce soit, sous quelque prétexte que ce soit, s'il prend une initiative unilatérale, eh bien, son initiative qui, pour moi-même, n'a pas mené à rien, et laisse à Kouniara, c'est des bagailles qui sont illégales et constitutionnelles, irrégulières, totalement, me dit, bon, mais c'est éviter pays à ça. J'ai appelé M. Ariel. J'ai appelé. Je m'avais dit combien d'appels que me fait. Pour public à pas dire, ah, mon cher,
pour public pas traiter de n'importe qui bagaille. Et finalement, il a répondu vers les 11h30 du soir. Et puis j'ai dit à M. Ariel, le Premier ministre. Premier ministre, bon situation qui a développé là, avec question juge, la cassation et autres, etc. Ne devrait pas là avec vous sur deux bagailles fondamentales. Première, c'est ça. Moi-même, je t'ai suggéré. Au lieu qu'on faire une question ADNT pour faire ça, vu que je ne veux dire pas capable de faire une solution pour capable ou même seul, mettez-le, pourquoi ne pas convoquer une rencontre avec les trois pouvoirs et essayer, garder pour eux. Si vous pas arriver à un consensus tout de suite avec tout acteur politique, la formule consensuelle qui puisse nous permettre. Moi, je seulement dire, si vous êtes permettre que nous chita ensemble. Non, monsieur le président. Vous m'excusez. Je ne vais pas poser ça. Je dis, oh, Premier ministre. Je ne vais pas me quitter une fin de parler même. Et si vous ne pas poser ça. Non, monsieur le président. Je ne rentre pas dans ça. Je vous dis ça très clairement. Si c'est ça, tu peux arrêter de parler. Je dis, oh, Ariel. Nous aller le vampire. Au président, c'est naturel, Léo. Et Joseph Lambert, en plus, qui t'a connu, qui connaît depuis déjà plus d'une trentaine d'années. Écoutez, avant tes premiers ministres, nous chita quelques 9 fois la caille pour la stratégie et autres, etc. Patati patata et autres, etc. Pour question premier ministre. Et puis, je dis à moi le bon conseil pour le pays et pour choisir pour que, à la patote, ou rejeter proposition que ma pour la don revers demain. Moi, je dis c'est mal élevé et c'est indécent. Yo, excusez-moi, monsieur le président. C'est vrai. Alors voilà. Vous comprenez, madame Bounod. Je viens vous dire, il est Ariel. Est-ce que Mataka est Ariel? Vous me parlez avec lui. Madame Bounod, pour le bien d'Haïti, finis ensemble avec vous là. Je vais aller pour mes ministres Ariel. Pour me dire, la fait dialogue, s'ouvre fait dialogue là. Fait dialogue là pour de vrai. Si Sénat lui-même, ou est-ce que Sénat pas. Il n'est pas opportun pour le Sénat impliqué là-dedans, ou même initié, parce que ça qui est important pour nous, c'est joindre un compromis, joindre un consensus pour le pays. Quel que soit Jean Fell, la formule que nous utilisons, Fell. Sinon, on a oublié de continuer à parler de dialogue, on a continué à parler de Chita parler autant de fois que le nécessaire. Parce qu'il est de notre responsabilité pour nous capables, il s'est initié. Un processus côté tout le monde capable de passer la donne, participer la donne pour le bien d'Haïti. Voilà, l'homme fin fait appel là, autant d'appel que me fait Madame Bounod pour l'histoire et la vérité, m'a fait screenshot là, m'voyez pas. Ok. Mais, je vais présenter la question, hein. Le blocage, je dis non, c'est pour Premier ministre Ariel Henry. C'est lui-même seulement qui bloque ça. Mais, clair. Ok. Le blocage à une solution à cette crise réside en ce Premier ministre Ariel. Ok. Mais si, madame, m'avait dit, nous tous, son façon de parler, nous d'accord. Pour nous dialoguer. Est-ce que nous pas qu'à faire? Et puis, nous poser solution à Premier ministre? Madame, non, ou pas contre une question pour vous, c'est important ce que je viens pour moi. Je profite de questions ça que madame Bounod fait maintenant. Pour moi lancer de côté hier à travers Radio Vision 2000, on appelle solennel à tous les acteurs et à tous ceux-là qui disposent d'un accord et ceux-là aussi, comme des leaders politiques et autres, etc., pour être capables de convoquer une réunion entre eux d'urgence. Pour rejoindre une formule consensuelle que vous êtes capable d'imposer ou proposer par le Premier ministre Ariel. Voilà, on profite de ça, et Mme Bounod, pas dire honnêtement, après que nous faisons appel ça, si nous n'avons pas dégagé pour parler, m'a choisi d'entrer dans ça que nous déclarons. Dans le mutisme, pendant au moins un mois, jusqu'à ce que nous sommes capables ensemble entre eux, jouer une solution. Pour dire qui ça?
parce que m pas capable continuer à parler encore dans vide comme quoi ça m'a fait à son bagage intéressé comme quoi comme dit pour moi-même avec intérêt immédiat parce que me connais ou pas d'accord moi intéressé parce que je suis un politique tombé quand même bon écoute etc pour être honnête alors là mon homme après ça me tout lancer et que je souhaitais que acteurs entendent et que acteurs même beaucoup de pas prend initiative si premier ministre Ariel constitue à date l'obstacle pour joindre un consensus et comme de fait il est l'obstacle à une solution à la crise. Vous connaissez bien le monde international pour carrière politique sans faire. Et si Ariel Henry l'Italien les mains liées par exemple question CEP question élection vite vite là et bon c'est pas ta parole parle madame bonhomme madame si vous pouvez venir Ariel Henry un comportement ça c'est parce que bon côté quelque part qu'a tiré ficelle la baille parole en bon qu'a dit il faut consensus il faut consensus beaucoup plus large. Monsieur Gonzalez arrive, la même chose. Monsieur Barnes et Collo arrive. Monsieur Madame Anna arrive, etc. Madame Bonhomme, vous avez pour prendre 10 missions de 10 secrétaires d'État américains. Peut-être même secrétaire d'État américain. Hein. Peut-être même le secrétaire général de l'ONU. Madame Bonhomme, dans toute expérience politique que vous avez, ou bien que vous faites, la principale crise que nous avons dans le pays, ça, surtout crise politique avec retombée sur économique avec social. C'est toujours des crises qui naissent à partir d'élections qui mal faites. Ou bien des mondes qui mal élus, imposés par l'international. On pas besoin de retourner sur quelques détails parce que le peuple haïtien a suffisamment d'informations. La réalité, je vous dis, Madame Bonhomme, c'est que il y a plus de monde qui a précipité question élection. Vous vous souvenez, Madame Bonhomme, à un certain moment de la durée. Mes amis, et certains de mes amis étaient critiqués par le simple fait, dans mes pourparlers, dans mes échanges avec M. Gonzalez, c'est une question ça que vous avez fait. Vous avez dit, donnez-nous, est-ce que vous pouvez nous donner la garantie dans combien de temps vous allez pouvoir organiser les élections? C'était en 2021, fin de l'année 2021. Moi, personnellement, je dis que, je n'ai pas de garantie sous délai. Mais de toute façon, il faut essayer pour nous capables de garder le plus vite que possible qui j'en ai organisé l'élection dans le pays, ça, parce que une transition longue a peut créer plus de problèmes dans le pays. Je dis pourquoi pas octobre, ou bien novembre, ou bien décembre, moi je dis ah non, ça je ne peux pas. Et quand pile en même qui te dit comme ça, ah vous savez, les Américains sont très remontés contre vous parce que vous n'avez pas de garantie pour faire l'élection tout de suite dans la fin de l'année 2021. Madame Bonhomme, même en 2022, là, en mars, même conseil électoral va pas monter. Alors que en pile, je te dis, je te dis oui, même lorsque je te connais, je ne pas faire. Je dis, je ne pouvais pas mentir. Parce que ça, pour me dire, il faut que je dise, pour me capable répéter autant de fois que je veux. Réalité, je dis, c'est tout que. C'est là où tu es. Où tu es venu président, et puis Amérique était le ou ballon garanti. Lorsque j'ai été désigné par le Sénat, suite à sa résolution, au lendemain de l'assassinat du président, et, la première mission américaine qui était venue en Haïti, ici en Haïti et qui a été conduite par M. Gonzalez. Alors voilà, Madame Bonhomme, de juillet à mars, mais même conseil électoral pour être capable de monter, même les conditions de sécurité pour être capable de garantir, au contraire, une pire en pire, et puis en pile dans un mémoire, dis-moi, et que je me dis oui, que je suis capable de faire en décembre. Alors que la réalité est tout autre. Je dis, nous ne sommes pas capables de précipiter nos questions d'élection sans que nous ne gardions pas préalable, nous ne gardions pas préoccupé. Précipiter nos questions d'élection, oui, nous sommes capables de toujours travailler pour mettre en place structure, infrastructure, etc. Mais il faut que de pair, un ensemble de dispositions qu'on prend pour question sécurité, pour question sécurité. Et grand banditisme, etc., sécurité alimentaire, reprise des activités économiques, bon ensemble de bagailles qui supposaient marier avec question élection en tant que telle. Mais élection n'est pas qu'à précipiter, faire juste pour être capable de justifier en réussite mandat Madame Lalime comme chef mission BINU en Haïti.
parce que le mandat pas la fini en juillet. On fait une élection bouillie vidée, et puis on quitte, ma petite dit c'est gros moi là, madame Bonhomme, on quitte Asie Cocoa pour Haïti. On quitte Asie Cocoa en Haïti comme ça a été toujours le cas. Et puis on toujours quitte Zéan pour nous bouillir après, et puis ça va de mal en pis. Je vous dis, dans la réalité que nous avons fait face dans là, eh bien, l'imander pour que nous gagnions plus d'intelligence, nous faisons preuve de plus pragmatisme et de plus droiteté dans la conduite des affaires politiques de ce pays. Moi-même, international là, je ne vous dis, pour que mon clair, c'est plus gros parti politique, c'est plus gros acteur politique qui gagne dans le pays. Et il est temps que Haïtiens comprennent que vous nécessitez pour que vous-même vous mettez ensemble. Lorsque vous mettez ensemble, et que le peuple haïtien lui-même gagne un comportement pour gagner, une réaction pour gagner, une attitude intelligente pour gagner, là, ça international, là, il est capable d'ouvrir, retirer vers sous lui. Il est capable de retirer vers tout sous le premier ministre Ariel. Et puis, comme ça, il est capable de garder l'ombrique pour nous connaître. Est-ce que son petit trou qui constitue l'ombrique international, là, ou bien est-ce que son petit boule qui fait l'ombrique international là. Et c'est là que ça peut pas ici, on va comprendre dans qui miracle le bras. Voilà, je ne vais pas dire plus, mais cependant, je suis sûr que le peuple haïtien qui m'écoute maintenant a compris le sens et la portée historique de mon message. Merci, Président. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine, voilà. Et oui, mes amis, cette vidéo ça m'a été portée pour nous. J'espère que nous t'ai gardé, nous t'ai partagé dans 5 à 10 groupes Facebook. Nous t'ai invité aux amis, aux familles sur channel là pour capable faire nous avancer. M'a dit tout ancien abonné mio, merci. M'a dit tout nouveau tout merci. Nous soukèm. Et le par exemple pour mettre vidéo toujours aider me partager vidéo sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, quand on joigne la quel lien. Ok, ça a fait nous plaisir et ça a toujours encouragé nous pour nous toujours porter bonnes informations pour vous. Merci, bye bye, bisous, portez-nous bien.